مرحبا بالاخوه الصحفيين في انتظار التحاق بسروما ندوم مع السي فخرتين. فخرتين اولا مرحبا بك في المغرب، مرحبا بك بمركب محمد الخامس، تعادل برسم ذهاب الدور الثاني، كيف يمكن تلخص المقابله؟ السلام عليكم. Bon, pour le match, excusez-moi, je suis sur les nerfs un petit peu par rapport à l'arbitrage d'aujourd'hui, parce que il a été très très influent dans le résultat d'aujourd'hui. On pouvait sortir gagnant de ce match. Sur le plan technique, je ne peux pas parler parce que franchement, on a joué contre le Raja aujourd'hui, contre l'arbitrage, avec des décisions, si je peux dire, louches. Et il nous a vraiment perturbé dans le match, il nous a vraiment cassé. Et voilà, c'est haram, un arbitrage pareil. Raja, ils n'ont pas besoin de ça. Normalement, l'Ium, c'est avec un arbitrage pareil, l'Ium, normalement. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu ça dans ma vie. On est les champions d'Afrique et je n'ai jamais eu un arbitrage pareil d'aujourd'hui. Franchement, je suis très énervé par rapport à ça. Mais bon, techniquement parlant, le match a été très, très équilibré. Mais voilà, mes joueurs se doutaient beaucoup plus de l'arbitrage. Et voilà, on a subi le match avec l'arbitre, avec ses décisions, avec son sens unique dans le match. Voilà, moi je pense que le Raja c'est un grand club, ils n'ont pas besoin de l'aide de l'arbitrage ou de quoi que ce soit. Mais voilà, moi je vous dis, si j'avais un arbitrage aujourd'hui comme celui-là, je gagnerais 5 ou 6, le plus normalement du monde. Merci coach. Donc on passe aux questions. Merci. Tfadlou ikhwa sahafin. Cheikh Erdine, bonsoir. Qu'est-ce qui vous a manqué, à part l'arbitrage, qu'est-ce qui vous a manqué pour réussir? Un arbitrage sérieux, c'est tout. Moi, non, écoutez-moi, on gagne 1-0. Il avantage l'adversaire, il leur donne un coup franc, il leur donne des cartons jaunes, un pénalty, des hors-jeux qui ne sifflent pas des hors-jeux. Bah, ce qui manquait aujourd'hui, je ne sais pas, voilà, un arbitre qui normalement doit être correct pour bien terminer le match, pour être équilibré dans le jeu, voilà, dans le jeu et équilibré même dans les décisions d'arbitrage. Voilà. Parce qu'on gagne des duels, il y a des coups francs, il nous siffle des coups francs. Voilà, je ne peux pas, il nous a cassé aujourd'hui. Je vous dis, c'est très difficile aujourd'hui pour moi de vous parler techniquement et d'analyser bien le match d'aujourd'hui. Parce que, voilà, je crois que l'arbitrage d'aujourd'hui était très, très, très influent sur le résultat d'aujourd'hui. Mais bon, c'est ce que je peux vous dire, c'est que c'est un exploit aujourd'hui de sortir de 2 avec un arbitrage pareil. Merci coach. Donc, Monsieur Romain, bonsoir. Bonsoir. Donc de partout au match aller, on aimerait bien écouter votre résumé. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, comme d'habitude. J'écoute seulement les mots finaux de mon frère. J'écoute. Je ne suis pas d'accord, évidemment. Je ne suis pas d'accord, évidemment. Une équipe comme Steve, le champion titre, une équipe de haut niveau, jamais doit appeler des excuses comme ça. Jamais, jamais. Le Raja, c'est une grande équipe. Nous avons regardé ça. Un premier mi-temps, un peu calculiste. Le Raja un peu nerveux parce que joue contre une grande équipe, avec respect pour une grande équipe. Nous avons fait une transition offensive, des erreurs que Steve a profité. Mais le deuxième mi-temps, c'est un deuxième mi-temps de haut niveau de Raja. Nous avons joué les dernières 20-25 minutes en football offensif. Nous avons des chances pour gagner le match, bien sûr que Steve. Une équipe expérimentée avec la maturité tactique a joué un contre-attaque, mais la vérité c'est que nous avons fait un deuxième mi-temps très fort, très fort, et nous avons regardé une chose que je n'attendrai pas. Je n'attendrai pas une équipe et des joueurs du haut niveau que Steve nous donne toujours une image, des joueurs à gagner du temps sur le terrain, à perdre du temps, c'est-à-dire que Raja a joué
Je pense que ce sont deux grandes équipes. Le champion titre, c'est pourquoi c'est le champion. Rage aussi que fait la course derrière une grande équipe. Et malheureusement, le match termine un match nul. Je pense que c'est un duel de géant, avec le respect pour notre adversaire. C'est pourquoi je ne suis d'accord. Et vous me connaîtrez bien, jamais je parle de l'arbitrage. Je parle seulement de mon travail, du travail des joueurs et qu'est-ce que je regarde. Merci, Soloma. العرفاوي عن جريدة خبركم مغربية سي خير الدين اعتمدتم على مل أوسط الميدان والتكتل في الدفاع واعتماد على الحملات المضادة فهل كنتم متوقعين هذا الفوز بالدار البيضاء؟ Oui, on est venu pour gagner aujourd'hui parce que il y avait de la possibilité et je reviens toujours pour remettre Monsieur Romao à sa place. Moi, j'ai dit que le Raja c'est une très 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 grande équipe. On n'a pas besoin d'un arbitrage pareil aujourd'hui. Et je pèse mes mots. Je sais ce que je suis en train de dire. C'est vrai, le Raja, en deuxième mi-temps, pratiquement, ils nous ont dominés par rapport à l'arbitrage qui nous a pratiquement cassés dans le jeu. Et je ne remets pas en cause le travail de Romao et de la grande équipe de Raja qui ont fait une très, très belle deuxième mi-temps. Mais je dis, si j'avais un arbitre, moi, aujourd'hui, comme celui-là, je gagnerais plus de 2, plus de 3. C'est tout à fait logique. Bon, n'oubliez pas que j'avais 8 titulaires qui n'ont pas joué aujourd'hui. 8 titulaires. Ceux qui sont blessés et ceux que j'ai mis à l'écart un petit peu pour se reposer. Parce que aujourd'hui c'était notre 47e match dans l'année. Bah, du coup, j'ai tout changé, j'ai tout chamboulé pratiquement dans le système. Et voilà, on a essayé de jouer un petit peu sur les contres, comme il a bien analysé monsieur l'entraîneur. Et voilà, on a réussi à marquer deux buts. Et voilà quoi, après, sur deux coups de pied arrêtés. Le Raja, voilà, sur un coup franc et sur un pénalty, je crois, entre guillemets, je ne sais pas d'où est venu ce pénalty. Mais bon, un 2-2, un exploit par rapport à l'arbitrage d'aujourd'hui, parce que finalement, le Raja n'a pas besoin de ça, et je le répète, parce que c'est une très très grande équipe. On est venu pour jouer un match, un derby, et que les publics, que le public estime les deux équipes, voilà, et qu'ils voient un bon match, techniquement parlant. Mais voilà, il a cassé tout pratiquement dans les 90 minutes. Voilà, pour mes joueurs, je les félicite parce qu'il les a sortis un petit peu dans le match. De deux, c'est un résultat piège plutôt. On va essayer quand même de faire le maximum assistif. Ça va être très très dur face à cette équipe qui joue bien au ballon. Et voilà, j'espère qu'on va passer. Et Inch'Allah, on va récupérer 5 ou 6 joueurs d'ici là. En l'occurrence, Ziaya, l'avant-centre, et Gasmi et même Dagolo, l'Africain, qui vont revenir dans l'équipe, Inch'Allah. Merci, Youssef Khartin. Pour M. Romao, vous ne voyez pas après ce résultat 2-2, le nul à Casablanca, que le match de retour sera difficile et surtout la qualification reste entre parenthèses? Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que les choses sont ouvertes. Bien sûr que c'est toujours difficile ici contre Steve. À Stif, c'est aussi difficile parce que c'est une grande équipe comme nous. C'est difficile pour nous et c'est difficile pour Stif aussi. Je pense que oui, on peut regarder, si on regarde le score du match, on dit de partout qu'il y a un avantage pour notre digne adversaire, mais le Raja joue toujours pour gagner. Hein. Raja joue toujours pour gagner. Il n'y a pas autre chose à faire. On doit partir avec respect pour notre digne adversaire et jouer notre football, jouer 90 minutes de foot avec la volonté de vaincre et avec le respect pour une grande équipe. Mais tout est ouvert. C'est difficile, bien sûr, mais ce n'est pas seulement pour le Raja, c'est aussi pour Steve. Monsieur Greg, à vous. Tel baladeur. سي مدوي حققتم تعادل بمدينة الدار البيضاء لقيتوا راحتكم في المركب الرياضي محمد الخامس التوقعات ديالكم في مباراة الإياب في ظل الملعب ديالكم اللي شوية صغير على الملعب ديال محمد الخامس كيف الطريقة باش غتعاملوا في هذه المقابلة ديال الإياب Oui, premièrement, on était très très bien accueillis ici au Maroc par nos confrères et nos très chers frères marocains.
même ici au stade, franchement, ça a été un plaisir de jouer dans ce stade, devant ce public et face à cette grande équipe du Raja. Bon, pour le match retour, voilà, je crois qu'on a le même avis, moi et Romao. Ça va être très, très dur. C'est une finale avant la lettre, hein, pour passer au groupe. Voilà, on va jouer une autre finale à Sétif. C'est vrai que notre stade est plus petit que celui d'ici, de Casa. Et je crois qu'on a nos repères. C'est un terrain synthétique. Et je ne crois pas qu'il va handicaper les joueurs du Raja de Casablanca. On va essayer de tout faire comme on l'a fait déjà avant. Et comme je vous l'ai déjà dit, je vais essayer de récupérer quelques titulaires quand même, 3 ou 4, j'espère, pour ce match-là, au moins pour retrouver un petit peu l'homogénéité dans l'équipe et un petit peu la cohésion qu'on a manqué aujourd'hui. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, j'ai incorporé 3 jeunes espoirs, 3 jeunes juniors, et voilà, ils ont fait face au Raja. C'était un plaisir. Et ce que je demandais à mes joueurs toujours, c'est de prendre du plaisir, soit ici, soit à Sétif, de bien prendre du plaisir sur le terrain, de jouer au football. Et après la défaite ou la victoire, il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. On va essayer quand même de faire le maximum face à cette équipe, mais je vous annonce que ça va être très, très difficile. Merci. Qu'est-ce que tu as fait ? Oui, bonsoir, Romain, bonsoir. On a remarqué que depuis quelque temps, le Raja encaisse des buts sur des contre-attaques. Donc, le repli défensif, on voit qu'il est très lent. Donc, comment vous allez remédier à ça pour le retour, le match du retour ? Vous avez touché dans un élément de jeu que nous sommes à travailler beaucoup. Nous avons incassé, si vous vous rappelez, dans le Grand Derby, contre Wydad, de buts aussi en transition offensive. Aujourd'hui, c'est la même chose. Oui, mais nous sommes à travailler sur ça. Si vous vous rappelez, quand j'arrive... Il y a aussi sur le plan de l'organisation défensive, il ne s'est pas équilibré. Nous avons donné un pas avant, mais les résultats ne peuvent dire ça. Mais sur le plan de l'organisation défensive, nous sommes mieux qu'avant. Et n'oubliez pas aussi que jouer sur la défense, ce n'est pas seulement la ligne défensive. C'est l'équipe. L'équipe doit savoir contrôler les rythmes de match. Et sur le plan d'organisation défensive, c'est les premiers défenseurs, si on peut dire, ce sont les attaquants. Et les premiers joueurs offensifs, c'est notre gardien de but. Mais si vous me donnez permission... Je regarde le privilège de mon frère à dire que 8 joueurs titulaires n'avons pas joué et il arrive avec une équipe comme ça. Mais Ziaïa n'a pas joué, Gazmi n'a pas joué, les autres sont là. Mais nous, est dans le banc de touche, les autres sont là. Le numéro 10, votre capitaine, est là dans le banc de touche. C'est-à-dire que 2 joueurs qui ont joué les derniers 3 matchs n'avons pas joué. C'est Gazmi, le numéro 8, et c'est Ziaïa, l'attaquant. Les autres sont là toujours. Mais vous êtes un entraîneur avec privilège, parce que vous avez, comme vous dites, 8 joueurs titulaires. Je regarde seulement Gazmi et Ziaïa qui n'est pas là. Les autres sont là, et avec un avantage. Avec un avantage. Vous avez, aujourd'hui, vous pouvez jouer. Vous avez joué avec l'arrière-gauche, je pense que c'est congolais. Gabonais. Qu'il donne, mais les autres sont là, ne sais pas, 8, ce sont 2 joueurs titulaires. Merci. Je reviens vers Monsieur Kherdin. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes un peu trop impulsif pour un entraîneur qui devrait garder les nerfs froids et envisager une autre tactique? Là, vous n'êtes pas arrivé à nous donner la lecture technique tellement vous êtes sous la nerf. Bon, si vous voulez une lecture technique pour aujourd'hui, c'est vrai, moi je m'attendais, comme il disait Romao, pour son équipe qui est très 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 offensif. On ne l'a pas vu pratiquement en première mi-temps. Et voilà, on a eu un petit peu la chance de marquer ce premier but, sur une action collective et à la fin individuelle aussi. Un bon geste technique de notre attaquant qui a mis ce ballon au filet. Et en deuxième mi-temps, c'est vrai, de prendre le premier but égalisateur
à 5 minutes du départ, ça nous a un petit peu handicapés. Ils ont eu pas mal d'occasions, le Raja, en deuxième mi-temps, mais c'est vrai, en changeant, en revenant 4-3-3, ça a été plus fluide pour nous dans le jeu et d'aller beaucoup plus rapidement en attaque. Et c'est là où on a mis le deuxième but. Après, on est revenu en 4-4-1-1, qui était très défensif et très repliant. Et voilà, ça a laissé un petit peu le Raja de créer quelques occasions. Il y avait 2 ou 3 nets de scorer. Même notre gardien, sur une ou deux occasions, a fait sortir son grand jeu. Mais dans l'ensemble, la première mi-temps qui était très, très, très moyenne techniquement, il n'y avait pas trop d'espace, il n'y avait pas beaucoup de jeu vers l'avant. Et en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus, si je peux dire, très fluide de la part de Raja, où ils ont trouvé les intervalles, les déséquilibres dans notre défense. Et voilà, nous, on était un petit peu obligés de bien défendre, même si c'était très bas, et voilà, d'essayer de concéder par des contres. Et franchement, voilà, ces deux grandes équipes aujourd'hui, ils ont fourni quand même un très, très, très beau match sur le plan technique, sur le plan occasion. Et voilà, j'ai pas envie de revenir sur l'arbitrage, mais franchement, avec ce public-là d'aujourd'hui, et avec le jeu d'aujourd'hui, un match très, très plaisant. Et voilà, je remercie tous ceux qui ont contribué à ça. Une dernière intervention, c'est Omar. S'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir. Cette équipe de Sétif est prenable chez elle, parce qu'on sait très bien qu'un 2-2 est un score piège, rien n'est gagné d'office. Et qu'est-ce qu'il faut ? Remettre le Raja sur les bonnes raies et arracher la victoire et la qualification à Stif. Parce que rien n'est encore joué, je crois. Oui, je comprends votre question. Je comprends votre question. Il n'y a pas une équipe dans le monde qui n'avait pas des points forts et des points moins forts. Nous avons l'humilité de dire que nous avons des points forts et on le sait très bien que nous avons des points moins forts. Je pense que le Stif, c'est la même chose. Si vous regardez le dernier derby pour la Champions League entre Real Madrid et Atlético Madrid, c'est ça, c'est ouvert. C'est un match qui est ouvert, bien sûr. On va travailler sur le match. On va travailler sur le match, sur nous, sur les choses, sur les détails tactiques que nous devons faire mieux, et aussi regarder le match, faire le scouting de notre adversaire pour faire aussi quelque chose à Stif. Mais il y a une chose que le foot m'a donné toujours une grande leçon. Le foot avait la main, quand maintenant tout le monde pense, et tout le monde pense que le Raja est déjà hors de la compétition, je ne suis pas d'accord. Le Raja il va jouer le deuxième mi-temps à Stif avec le respect. Je connais Stif, je connais le stade Stif. Nous avons déjà joué là-bas. C'est un synthétique, mais je pense que c'est un bon synthétique. Bien sûr qu'il avait raison, c'est un peu plus petit. Mais on va jouer un match. Le foot, c'est toujours le foot, un match de foot entre deux grandes équipes. Doit être toujours une fête. Et je suis d'accord avec vous. Le dernier porté que mon frère a fait du match, je signe en bas. Maintenant, oui, je suis d'accord avec lui. Merci, coach. C'est Arfa, oui. Non, mais c'est bien. Savez-vous... C'est son devoir de dire les choses qu'il porte dans le cœur. C'est son devoir de dire les choses que je porte dans le cœur. Mais il y a toujours... je porte aussi des choses dans la raison et je dois dire aussi qu'est-ce que la raison
nous dit à moi et à vous. Je ne peux venir ici et dire le contraire que vous avez regardé. C'est Alpha, oui, dernière question. Monsieur Romao, quand je vois le club Raja aujourd'hui, il y a un tassarrou dans le tamrir des opérations, et il y a des erreurs pour certains joueurs, et l'absence de tamim des opérations pour le l'objectif. Et ainsi que les changements جاءت متاخره شيئا ما رغم ان بعض اللاعبين لم يكونوا في يومهم اليوم. هل هذا سيصحح في المقابله المقدمه؟ Non, le retard de change. Je commence pour la question finale. Le retard de changement. Un changement, c'est toujours quand un entraîneur pense que c'est le meilleur pour son équipe. Si on commence à faire un changement quand le public demande, on commence à faire un changement peut-être à 5 minutes de commencer le match ou à 3e minute. L'entraîneur doit savoir quel est le moment de faire un changement. Parfois, un changement, c'est comme un melon. Avant d'ouvrir le melon, bien sûr. Après, c'est ça. Mais nous avons ça. Non. Nous avons étudié notre adversaire. On sait aussi, nous sommes au courant parce qu'on travaille tous les jours avec notre joueur et on sait comme ils sont dans le moment. N'oubliez pas, parce que c'est très important de dire que. Le dernier match que nous avons fait, malheureusement un match nul pour le Botola, nous avons joué avec beaucoup de joueurs qui n'avons pas le rythme. C'est pour donner un peu de repos des joueurs qui ont des problèmes physiques. Nous avons joué aujourd'hui avec des joueurs, par exemple Christian, Afidi a joué seulement le dernier temps, Akal a commencé à jouer. Il y a beaucoup de joueurs, comme vous le savez très bien, qui sont. Mais, à mon avis, excusez-moi de dire, les changements et les décisions sont toujours quand l'entraîneur pense que c'est le bien. Parce que l'entraîneur, quand fait quelque chose, c'est pour le bien de son équipe et du groupe. Et jamais il pense faire une chose pour lui-même. Non, je pense toujours pour mon équipe. Pour moi, non. C'est pour l'équipe et pour les choses que je regarde. C'est pourquoi j'ai 30 ans comme entraîneur. Et si vous me permettez, toujours dans un niveau très intéressant. 30 ans, c'est beaucoup. Je ne sais pas combien de matchs j'ai fait. Et parfois, j'ai déjà dans ma carrière, j'ai déjà fait des changements. Au premier mi-temps, 20 minutes, je regarde qu'un joueur n'est pas là. Il ne rêvait pas. Il est là à dormir. S'il est à dormir, il va continuer à dormir chez lui. Et on doit changer. Mais non, jamais entraîneur. Si vous pensez qu'un entraîneur arrive sur le match, il joue le match seulement dans ce moment, non. Entraîneur, j'ai déjà joué ce match, je ne peux dire mille fois, mais sur l'équipe que nous avons joué aujourd'hui, c'est une équipe que je suivre, ce n'est pas seulement cette saison, que j'étais hors d'un autre pays, je suivre aussi Steve par Steve. C'est une grande équipe et on doit regarder le championnat d'Algérie. N'oubliez pas que j'étais avec Al Arab, nous avons joué la finale de la Champions League avec... Mouloudia, oui, Union Sportive Mouloudia d'Alger, nous avons joué. Regarde, c'est ça, mais oui, si vous pensez qu'il y a des passes qui ne sont pas bien, oui, je suis d'accord. Mais le changement, s'il vous plaît, donnez la permission à les entraîneurs de faire le changement qu'ils pensent que c'est le meilleur pour son équipe. Merci à vous. Coach.